Monsieur. So my presentation is entitled Observation of Light Violet Scattering in Heavy Ion Collisions with the ATLAS Detector at the LHC. So to do so, I will try to follow this plan. I will start as an introduction by giving a short overview of the current standard model of particle physics and beyond. Then I will move on to talk about the main topic of the presentation, which is light violet scattering. After that, I will present the experiment that we use to do this measurement, which is the ATLAS experiment at the LHC. After that, I will present results concerning the argon emulation study done with the TRT detector, then the observation of light violet scattering, then the search for axial particle, and I will close with a conclusion. So the standard model of particle physics is our up-to-date understanding of particle physics. The standard model accounts 12 fundamental particles, which 6 are leptons and 6 are quarks. And the standard model takes in consideration the 3 of the known fundamental forces of nature, which are the electromagnetism, the weak force, and the strong force. The electromagnetism force is mediated with photons, and the weak force is mediated with the Z and W bosons, while the strong force is mediated with gluons. The standard model at the experimental level was completed by the discovery of the Higgs boson by the ATLAS and CMS collaboration back in 2012. The standard model has shown a great predictive character at the experimental level. What you see here are different standard model cross-section measurements, where we have a comparison between the theory, it means what the standard model predicts, and the measurement done with the ATLAS experiment at the LHC using data from RAN 1 and RAN 2 and using energies of 7 TV, 8 TV, and 13 TV, respectively. And you can see the great agreement between the prediction and the measurement for different processes, such proton-proton, W or Z production, TT-bar process, and so on. This, the same thing can be said about the Higgs boson in its different channels. And like this great predictable character, the standard model is still an incomplete theory. The first shortcoming comes from the fact the standard model accounts only 3 out of 4 fundamental forces known in nature. So it leaves the gravity behind. This makes us think that standard model is actually just an effective theory at low energy. Adding to this, we can see many gaps in the standard model, such as the hierarchy problem concerning the masses of particles. Also, the standard model doesn't predict any masses for neutrino, but so far at the experimental level, we have limits that the neutrino actually have masses. The standard model also only explain 5% of the matter that we have in our universe. This leaves dark matter and also dark energy in explaining. Other problems that the standard model suffer from are the QCD sub-violation problem, and the list goes on. To remedy to one or multiple of these problems, many theory were actually proposed to fill the gap in the standard model. The most famous one is the supersymmetry theory, which for each particle in the standard model propose what we call a super partner or a super particle, a boson for each fermion and vice versa. So basically,
supersymmetry is telling us that what we see now is just the half of what we have, and that there is maybe more particles that we need to discover. Those particles can be a possible candidate also for dark matter, which will make us solve the problem of dark matter. Other theories proposed to have more than the four known dimensions to explain the difference, mainly in the electroweak scale, between the electroweak scale and the Planck scale. And while the M theory and the string theory try to bring together what we know in the standard model with the gravity, this means combining the quantum mechanics with general relativity, which is the description of gravity. Now I will talk about the light bylet scattering process. So the light bylet scattering is a quantum electrodynamic process which was predicted earlier in 1934 by Heisenberg and Euler, and is actually forbidden in classical electrodynamics. So the Maxwell equation doesn't predict this process. The process is a one loop process. The loop can contain contribution from charged particles and the W plus minus bosons. Here you can see a plot of the cross section of the process as a function of the energy, the center of mass energy, where we can see that the W boson contribute at higher energy, while leptons and quarks contribute at low energy. And since its prediction from back in 1934, many experimental trials were done to actually try to observe the process directly in the lab. And I will sit among them, the usage of higher power laser or infrared beam in vacuums, but no evidence of the process was actually found. And this is due mainly to the fact that the cross section of the process is very, very small, since it's proportional to alpha to the four. What we will talk about now is the LHC approach to actually observe this process. The LHC is the Large Hadron Collider situated between the French and Swiss border. It's a 27 kilometer hadron collider. It collides proton, heavy ions, and heavy ions collision. It delivers collisions at four interaction points, where we have the four famous and big experiments of the LHC. We have ATLAS and CMS, which we call general purpose experiments. They mainly cover a lot of area in the physics, doing standard model precision measurement and search for beyond the standard model physics. And they were the experiments behind the discovery of the Higgs back in 2012. While ALICE is a dedicated experiment to heavy ion collisions and the study of quark gluon plasma, which is a state that theorists predict that it had been there right after the Big Bang. While LHCb is what we call a beauty quark factory, it's dedicated to the B physics. The luminosity is a key parameter in general in collider physics, and the LHC kept all his promises in delivering higher and higher luminosity. In fact, only in run two, we have 160 femtobar inverse delivered. And here you can see in the left a plot of the luminosity concerning proton-proton collisions starting from 2012 to 2018, which is the last year in run two. In the right, we have the luminosity delivered and recorded by the ATLAS experiment from 2015 and 2018. We have a combined data of 2.2 nanobar inverse. Now I will talk about the ATLAS detector used in this measurement. So the ATLAS detector has this cylindrical shape that looks like a cylindrical onion with each detector stacked on the other. Starting from the interaction point, we have what we call the pixel detector, the semiconductor tracker, and the transition radiation tracker. Concerning the transition radiation tracker,
we will have a dedicated section where we have done a study concerning the gas emulation in this part of the detector. These three subdetectors constitute what we call the inner detector. The inner detector is submerged in a 2 Tesla solenoid magnet. After that, we have the electromagnetic calorimeter and the hadronic calorimeter, which we dedicated the measurement of energy of particles, of charged particles in the case of electromagnetic calorimeters, and of hadrons for the hadronic calorimeter. Right after that, we have the toroid magnet, which is dedicated to bend charged particles like muons, the particles that travel so far in the detector. Then the last part is the muon chamber, which is dedicated to measure muons. Here we have a transverse cut of our detector. So if you look at the picture in the right, you can see starting from the interaction point, we have the inner detector, which have these three subdetectors, is mainly dedicated to tracking and formation of the particles and identification of particles, and mainly charged particles such as electrons and pions, while the calorimeters both are dedicated to measurement of energies of charged particles and hadrons. The muon spectrometer is obviously dedicated to measure the charge and the momentum of muons, while the magnet system is mainly dedicated to bend particles so we can measure their momentum. Adding to that, we have some what we call forward detector and installed in the right and the left of the detector at the interaction point level. We have the Lucid detector, which is dedicated to measure the luminosity recorded by the ATLAS experiment. And we have the ZDC, which is a zero degree calorimeter, which is dedicated to measure the number of neutrons produced at the time of the interaction. And we have the ATLAS forward proton, which is dedicated to forward physics and the study of collision with intact protons. In this thesis, we use many observable, and in general, within the ATLAS experiment, we use many observable. So here you can see the geometry of our detector, and we have this right-hand coordinate system, where the Z-axis is going along the beam line, while the X-axis goes into the direction of the center of the LHC, and the Y-axis is in the other transverse part of the transverse cut of this detector. And we define the pseudo-rapidity as a function between of theta, which is the angle between the beam axis and the track of the particles. We define also the transverse momentum as the transverse part of the momentum of the particle, which is also a function of theta. Then using that, we define the transverse energy as a function of the mass of the particles and its transverse momentum. In two-body system decays, we use usually the invariant mass to study the two-body decays, such was the case for the Higgs discovery. And in our case, we study photons. For massless particles, the invariant mass look like this. Now I will present the results that concern the argon emulation in the transition radiation tracker. So as I said, the transition radiation tracker is the outermost part of the ATLAS inner detector. It has 6.8 meter in length and 2.2 meter in diameter, and it provides tracking information and particle identifications. It mainly helps us to separate electrons from muons or electrons from pions in general. And the TRT actually has two different geometrical form. So we have the barrel part, which is the central part, and it has the strows parallel to the beam axis. And we have to the two end cape parts from both sides of the detector, where we have the strows perpendicular to the beam axis. The strows are filled with noble gas with a small mixture of oxygen, and the noble gas is either xenon or argon. This is an actual picture of the two parts of the detector. In the left, we have the central part, which is the barrel part, and into the right, we have the two end cape parts.
how the TRT detects particles, it uses a gas. So basically we rely on the ionization of the noble gas when a charged particle crosses the detector, and we collect the charges, and this lead to the creation of an electric pulse. This electric pulse is used either for tracking information or particle identification after digitization using the a dedicated electronic. So when actually a particle pass across the straw, this is what we have. We have an electric pulse, and depending on the threshold, we distinguish two thresholds. The low threshold we use for tracking information, while the high threshold we use to identify particle to separate electrons from pions. Why you are going to do the emulation? So this is the actual motivation. So when the ATLAS detector is collecting data, the TRT straws suffer from corrosion and they leak the xenon gas. And it was decided, since the xenon is an expensive gas, to replace it with argon, where the xenon loss is very high to afford. So after replacing it, we need to do the simulation starting from GN4, where we should implement the new gas in the detector. And this takes a lot of time. As you know, the ATLAS detector is a huge detector, and to simulate the whole thing will take a lot of time and disk space. So what we are going to try to do is to avoid to do a new simulation when this change in the gas geometry occurs. This is an example of what happened between 2015 and 2016, where we had many layers of the parallel parts and the end cap parts where we replaced xenon with argon. To do the implementation, we need actually to understand what is the difference between the xenon and the argon. And the real difference between the two gas was seen at the absorption length level. So basically the xenon has a lower absorption length than argon. So what we will try to do is to mimic the argon using the xenon. And from the TRT point of view, this is what the difference looks like. What we have in the x-axis are just the straw layers, and what we have in the y-axis is the high threshold probability. It's the probability that we use to separate electrons from pions. And this is the actual difference between the argon and the xenon. So to do the emulation, we need to bring this from the level of xenon to mimic what will look like actual argon. To do so, we will use what we call a transition radiation efficiency reduction factor to reduce this high threshold probability of xenon to be like the one of argon without doing the whole simulation. For implementing this in the ATLAS software, so here you can see the simulation chain of the ATLAS software. And what we are trying to avoid is this step of simulation. This what takes a lot of time and this. So we are going to move on here at the digitization level, where we will implement the reduction factor that we will use to mimic argon using xenon geometry. So basically we have a detector that was simulated with xenon, but at the digitization level, we will reduce this high threshold probability with a reduction factor to look like the one of argon. To do so, we implemented a new gas type that we call emulated argon. Then we mimic this high threshold at the digitization level. Then we scale it with this reduction factor. These are the reduction factor that we test for the barrel and for the end cap parts. Since we have two different geometry, the reduction factor were studied separately for the two parts. And the best reduction factor we found for the barrel to be 0.05 and for the end capes 0.2. And what we will see now is the result using this reduction factor. So to validate our study, we use the high threshold probability from really simulated argons, and we compare it to what we created with the reduction factor, which we call the emulated argon. So what we see, what you see in red is the real simulated argon, and what we see in black are from the emulated argon sample. Here we have the high threshold probability as a function of the straw layer for the barrel part. In the top right, we have the same thing for the end cap A part,
And on the bottom left, we have the same thing for the NKPC part, while in the last plot, we have the height threshold probability as a function of the pseudo rapidity of the track. You can see clearly that we have a good agreement between argon and emulated argon. The same thing was done using Mayon's candidate. So we have the plots here from the barrel part and here for the end cape A part, in the bottom left for the end cape C part, and in the right bottom for the height threshold probability as a function of pseudo rapidity of the track of the particles. Another way to validate our study was done using what we call the rock curves. So the rock curves is an efficiency curve that we implement using the electron probability and for myons and electrons. So this rock curve basically show us how good we are going to separate electrons from myons or pions. And we produced the same thing using emulated argon and real simulated argon. In the top left, we have the plots for the barrel. In the top right, the plots for the end cape A part, and in the bottom for the end cape C part, while here we have the plots for all region of the detector combined in the same plot. The x-axis and the y-axis are the electron efficiency versus the myon efficiency. We can see that here too, using this observable, we can see that we have a good agreement between the emulated argon and real simulated argon. This led me to a conclusion that this study was actually validated, and those reduction factors are now implemented in the Athena software, where we will possibly use them for the run three if the detector still suffer from leak in the xenon gas, and we replace it with argon. Now I will move on with the other topic, which is the main topic of the presentation, which is the light bilateral scattering measurements using the ATLAS detector. Why we do this in the LHC, or why we do it with the ATLAS detector? We use the heavy ion collisions, and more precisely, we use what we call the ultra-peripheral heavy ion collision. The ultra-peripheral collisions are schematized here, where we have the impact factor twice higher than the radius of the nuclei. We use lead nuclei. So this means that the two lead nuclei doesn't interact in a central way, but they pass each other, and they only interact via their electromagnetic fields. The good thing about heavy ions collision is that the cross-section scale with the Z to the 4. So here you see a plot of the cross-section for different processes, for lead-lead collisions, proton-lead collisions, and proton-proton collisions. And you can clearly see that lead-lead collisions are the most promising way to search for this process. The good thing about light bilateral scattering is that it's also a process sensitive to any BSM physics. So basically any particles that couple to photons, if it mediate this interaction, so instead of having W and Fermi, W bosons and fermion, if we have a BSM particle here that mediate the interaction, we will be able to see it. So here we have just a schematized diagram of the process, where we have the two lead nuclei. They interact via their electromagnetic field, which we consider as a flux of quasi-real photon. These two photons will interact with each other, and they will lead to the two photon that we actually try to observe in our detector. This was done using the 2015 data, where we had the first evidence of the process. So the 2015 data correspond to 0.48 nanobar inverse. We had 13 events observed. We have 30 events observed with a significance of 4.4 sigma. What you see on the right is the invariant mass of the two observed photons for the 13 events.
and the histograms in red are the signal, while the blue and the gray histograms are the E plus E minus background and central exclusive production background. Our strategy for this measurement is to use the 2018 data to do the fiducial cross-section measurement and the significance calculation, while we will use the 2015 combined with the 2018 data, which correspond to a 2.2 nanobar inverse luminosity to do the fiducial and differential cross-section, and also the search for ALPS, like axion-like particles productions. These are the Monte Carlo samples used in this study. So we use SuperChic version 3 generator to generate our signal events. And for backgrounds, we mainly consider two backgrounds. The first one is the central exclusive production of two gluons that decay to two gammas, while the second one is the A plus E minus production. These two, the first one was generated using SuperChic version 3 as for the signal, and the A plus E minus event were generated using Starlight version 2. The other backgrounds, such as the QQ bar or fakes, were found to be negligible after a dedicated studies. Other background also found negligible in the previous measurement. One of the first study that we actually have done with the 2018 data is to decide which Gaudran list we will use. Since the Atlas Thoroid Magnet System was down for the last 7 runs of the data taken back in 2018, we need to see if this will affect our analysis. To do so, we use dielectron system. We use A plus E minus event to do the comparison because we rely on them to do a lot of study. What you see here is a comparison for the dielectron events. In the right, we have the dielectron PT sum, which is the transverse momentum sum, and in the left, the transverse momentum of the electrons. And in blue, we have the toroid on events, while in red, we have the toroid off events. You can see that we have a good agreement between the two. This means that actually the the toroid condition will not affect the analysis, and this is a good news that which will lead to use for the whole data sets. So basically, this study endorsed the decision to use a Gaudran list without looking to the toroid condition. At the trigger level, we have a different trigger muni from 2015 to 2018, because the evidence was done with the 2015 data. The Atlas collaboration dedicated a trigger for this kind of measurements, where we have requirement at the level one and the high level triggers to clearly see this kind of events. And this plot shows the great improvement that was done at the trigger level. Here we have the trigger efficiency, the level one trigger efficiency, as a function of the cluster of the two electrons, where you can see in blacks the efficiency from 2018 data taken period, while in blue, the efficiency from the 2015 data taken period, and the shaded area are the systematics and the statistical uncertainties. You can see that, for instance, around 8 or 7 here, the efficiency jumped from 0.2 to 0.1 to around 0.19. Another study was done using the A plus E minus event to see how great is our Monte Carlo samples. So we basically use A plus E minus events to do a comparison between data and Monte Carlo. In the right, we have the comparison using 2018 data. In the left, we have the comparison using 2015 data. You can see that we have a good agreement with respect to the systematic uncertainty for the different plots. And to clarify that here, we have the invariant mass of the two electrons. Another study was done is to see if the Monte Carlo reproduce our
our detector from the energy calibration level. So we use the plots for the energy scale and resolution to see the agreement between the data and the Monte Carlo samples. And as usual, we use electrons. So the scale is the energy, the transverse energy of the electron divided by the momentum of the track, while the resolution is a function of the two clusters of the two electrons. You can see here that also we have a good agreement between data either back in 2015 or 2018. Concerning the particle identification and the reconstruction, here you can see two plots that presents the efficiency of our neural network based PID and the reconstruction efficiency of comparison between data in 2015 and 2018 and the E plus E minus events. So for the PID, we used a neural network based PID, which we trained on background photons from data and photons from the signal, Monte Carlo. While in the reconstruction, we use mainly electrons events. So after doing the GRL selection and the trigger selections, these are all the cuts that we apply to our events. So basically we are looking to two photons and nothing else in the detector. So we require two photons, which we identify with PID, with neural networks. And we apply a selection that concerns tracks and pixel tracks. This will lead to the suppression of the E plus E minus events background, while we mainly rely on the acoplanarity cut, which is a function of the delta phi between the two photons to suppress fake and the central exclusive production backgrounds. These are the results using the 2018 data. So in the right, we have the invariant mass of the two photon, while in the left, we have the transverse momentum of the two photon. So the data, so the 2018 data correspond to 1.7 nanobar inverse. So the data are the black points, while the histograms are the signal, are the signal and the background samples, and the shaded area is the systematic uncertainty. Here we can see that clearly we have a good agreement between data and Monte Carlo sample with respect, of course, to the statistical uncertainties and the systematic uncertainty. Statisticals from the level of the data and systematics from both. This lead to a significance of 8.2 sigma observed in the data, where we expect around 6.4 sigma. And we also did the measurement of the cross-section, which is a function of the number of events observed in data, which are 59, and the number of the expected background divided by the luminosity and a C factor that actually mimic our uncertainties from the systematic studies. So the fiducial cross-section was found to be 78 plus minus 13 statistical uncertainties, plus minus 7 systematics, and plus minus 3 from the luminosity sides, nanobar. This measurement can be compared to the following value from these two references, 51 plus minus 5 and 50 plus minus 5 nanobar, respectively. Now the results from the combined data set, which correspond to 2.2 nanobar inverse. So we observed 97 events in data, where we expect 45 signals and 27 background events. And the fiducial cross-section was found to be 120, which can be compared to these two references. This is a nice event display of the highest mass event that you can clearly see here in the invariant mass. It's this event around 13. So it has 29 GV as an invariant mass. We can clearly see that we have two
reconstructed photon at the level of the hadronical, the electromagnetic color meter, and the rest of the detector is almost silent. Now we will present the search for the ALP production, for axion-like particle production. So the main difference between axion and axion-like particle is that the axion were first proposed to solve the what we call the QCD sub-evaluation that I already stated in what we call a shortcoming of the standard model, and they are also good dark matter candidates, but they are mostly in low mass ranges. While ALPs, they basically don't solve the QCD problem, but they could be a dark matter candidate. Also, the string theory suggests a plenitude of axion-like particles. The experimental ties that we have currently can be divided two approaches. What we call the terrestrial approach. So basically we are trying to produce axion at the laboratory level. And here we can cite the light shining throughout a wall and the holoscope and the helioscope detectors. These two relies on the coupling of axions to either photons or electrons. So for instance, here we try to use laser beams to produce axions. When the photons pass in the magnetic field, they will convert to axions, then back to photons. And depending on the frequency of the photon, we can see if we had an axion like particle or an axion event. Other approaches are using the cosmological and astrophysical approaches. So we use dark matter observatory and so on to do the measurement of, for instance, here the axion photon couplings. We can see that here the mass here we mostly hint for low mass axions. The LHC approach is that we will rely on the same event topology as for the light bilat scattering. So the idea is that our light bilat scattering measurement, instead of being mediated with this box diagram that contain charged particles and W bosons, this time it will be mediated with an axion-like particles. Here you can see a Feynman diagram of the process. So we will use the 2015 and 2018 combination of the data. And for the signal, we use starlight generator to generate signal masses for signal ALPs for different masses. We start from 5 GeV to up to 100 GeV. The backgrounds are this time the light bilat scattering, which is now considered as a background, and the central exclusive production, of course, of gliion to 2 gamma and the E+, E- event. No significant excess beyond the background only apoptosis was observed, but we set limits on the coupling and the cross section of this process. So the coupling of axions to photons and the cross section of this possible conversion from axions to photons. We have actually a local excess of 2.1, which we can observe around 10 GeV. But this is how far we get with the current data sets. The good news is that we have the best limit in the mass range between 5 and 100 GeV compared to the other measurement that are done with the CMS experiment and with LEP collider measurements. And you can see that this is actually the area that we are covering in the ATLAS experiment around between 5 and 100 GeV. This brings me to my conclusion. So in this thesis, we performed the optimization of argon emulation in the simulation of the TRT, and two optimal factors were found. One is the 0.05 for the barrel, and the other is 0.2 for the end capes. These factors are now implemented in the digitization step of the ATLAS software.
for a possible usage in RAN3. Another study was done concerning the PID performance in RAN3 and is actually documented in the appendix of the thesis. We have done 8.2 sigma observation of the light pilot scattering and using the 2018 data, heavy ion collisions, and we did the measurement of the fiducial and the differential cross-section using the combination of the two data sets. A search for ALK production using the same data set was done, and the best limits were set in the range between 5 and 100 GeV. Now that the LHC is in the shutdown mode and the detector are upgrading for the RAN3, we could use actually this measurement to perform search for other BSM particles such as magnetic monopole or so on. Thank you for your attention. Thank you. I will start with the examples, and we will start with the persons in our session. We thank strongly that they came from university, very far from Harvard. I will start with the professor of Iberdissel from University of Ujda. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Just one word. Everyone among us could ask this question in English or in English. Yes. So, yeah, I'm very proud. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to congratulate Hassan. Thank you. His supervisor, Professor Dainati, for this nice research work, this nice analysis. I mean here, especially the light finance analysis was classified by the last collaboration as the most important analysis rising from 2019. And if I remember presented in the one of the most important international high energy physics conference in Ghent in the region. Now let me hand it over to Hassan. So I know him years ago when he prepared his master's degrees I remember him diligent. Hard worker and organized students. So about his work, he shows and about after his presentation, he shows us a very good knowledge in, of his thesis subject from the understanding of the detector to atlas data analysis. So the methods of analysis presented also show us subtlety of the fineness to the analysis of the different steps approach. So nevertheless, I have some questions and remarks to propose to the candidates that I will deal with him. To clarify some points. So let's start by the first question, slide 26. In this slide, in this book, and other points in the presentation, hypothesis, you said an agreement between the samples. Yes. You know, two samples. Are you quantified this argument by? Yes, we did the statistical test using this kind of plots. We use a key square test, and it was actually used to decide which is the best reduction factor to use. So basically, we have a set of these plots where each plot represents a factor
from the one that we test. The list is here. And we used a K-square test to decide which is the best, where we have the best agreements. And what I presented are these two factors, but we have the same plots for all the factors. Q-square test, yeah. The cross-section of the other gamma is 78 plus minus frequency start plus minus systematic flows in Fermat and luminosity. So the variation of this cross-section can be evaluated by energy transfer or by Fermat PDT or by PT or something. We only conclude that from the number of the data that we observe. So it's just a function of the data, the background, and the luminosity, and the C factor represents the systematics that comes from the detector. So basically, we have some uncertainties that came from the calorimeter and so on. So we implement them in the C factor. Those are the four ingredients that we use to do the fiducial cross section measurement. But for the differential cross-section, we can have it as a function of the pseudorapidity of the invariant mass of any observable. Yes. Yes, it's correlated, but it's much better because the combined data set is three times, the 2018 data set is three times higher than the 2015. So, but when we do the combined measurements, we actually have a lot of improvement in the 2018 data. So that's why we have a rise in the number of events. Also, there is a slight small difference between the 2018 measurement and the combination. In the combination, we used a 2.5 cut, while in the 2018 only, we used a 3 GeV cut for the photons. There is a small difference between the two study, but this is the reason why we have much higher events in the combination. For the change of in the back, we generated different samples for the because we have dedicated samples for the 2015 and dedicated sample for 2018, because the detector condition were not exactly the same between 2015 and 2018. So we had dedicated sample generated for the 2015 period and ones for the 2018. Yes, the same thing was done for both. But the number of events is different from Yep. Why the black line is not uniform? Why is it not smooth? It's because we did the bin by bin measurement. It's exactly like the one that we use for each interval. We had a limit because we generated the signal each bin. Yeah, that's why we have this not smooth.
Yes. In the right plot, the left plot, around 60. I think this is just note. What we have here is that we generated a sample. No, this is the data. So here is that we only selected data where we hire higher occupancies, and this lead to this peak around 16. Mu is the number of interaction per branch crossing. And it is maximized at this level. Here it's just the amount of data for different sample is not the same, so we don't expect it to look the same. We are not doing a comparison at the level of the number of events, but we are just looking to the profile of the average. My personal idea, you mean? Yeah. So from my point of view, most of the theorists only predict axions and axion-like particle to have a very low mass, which is really out of the reach of the ATLAS detector. But the light bilat scattering measurement is really a clean way to search for any particles. Yeah, we are just limited by the fact that we don't have a lot of data, like from proton-proton collision. So for the heavy ion collisions, we only get one a month from a whole year of the LHC running. And maybe this will change in run three. Maybe we'll have more data and maybe we'll see. But for the theorist, most of the axion and axion-like particles tend to have very low mass, like micro EV and so on. Thank you. Thank you. Thank you, Professor. Let's go back to Professor Stefan from government. Let's see, Monsieur le Président. Okay, de ma part, je connaissais Hassan pour la position d'exposé, de la finalité de son speech et aussi du choix du sujet. À son dire, je vous vois son travail aussi. Donc, vous avez dû faire un très bon travail. Donc, il y avait un grand effort pour accomplir toutes ces tâches et réaliser ce beau travail. C'est vrai que je trouve que c'est un travail très, très sérieux, très sincère et un peu délicat. Merci. Je n'arrive pas à élucider et à contourner tous les points que vous avez exposés. Bien sûr, c'est un sujet qui est un peu délicat. Donc, ma première question, c'est pourquoi ce processus est interdit par le Maxwell alors qu'il est prévu par le Maxwell? Parce que dans les équations Maxwell, on n'a pas le principe à cause du principe de superposition. On n'a pas le principe de superposition dans les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell prédisent qu'il y a
des interactions entre les photons, mais pas celles qui vont nous donner deux photons. Donc, on n'a pas comme résultat, parce que, par exemple, les interférences optiques, c'est prédit par les équations de Maxwell, mais ce n'est pas la même chose que deux photons vont donner naissance à deux photons. Échange de... Bien sûr, ce qui se passe au niveau de la peau, là, c'est moi que c'est une première économie qui se termine, c'est à cause de la polarisation de vide et de ciel. Donc, ça, concernant. Pourquoi vous utilisez le fluide de plomb? Pourquoi on utilise le fluide de plomb? La première raison, c'est le nombre Z, elle est vraiment grand. Ça permet que le champ électromagnétique qui entoure les ions de plomb est très, très grand. Et nous, c'est ce flux qui va être considéré comme des photons. C'est ce flux qui va être la source du processus light bilab. Donc, pour nous, ce flux qui est un champ électromagnétique qui est en train de voyager à la vitesse de la lumière, c'est considéré comme ce qu'on appelle des casérielles photons. Donc, pour nous, c'est ça la source du processus light bilab. C'est pour ça qu'on arrive à le voir ici. Non, c'est pas... Dans cette mesure, mais les collisions de plomb le premier but pour qu'on a fait les collisions de plomb, c'est qu'on cherche vraiment les collisions frontales. On a ça, donc les événements sont séparés à un certain niveau. On dit que ça, c'est un événement central, ça, c'est un événement périphérique. Non, c'est périphérique. Mais oui. Mais nous, on a juste bénéficié que les ions lourds sont là. Donc, les gens les utilisent en général dans les chocs frontaux pour étudier ce que je viens de dire, les quarks gluons plasma. C'est là qu'il y a vraiment... On entre à l'intérieur des protons et on voit le tout, le gluon et le plasma dans un état presque séparé. Mais on a bénéficié que ça existe, donc on va faire les mesures dans les ultra-périphériques. Et ça nous aide du point de vue que c'est clean, il n'y a pas trop de bruit. Et qu'on bénéficie du champ électromagnétique immense. Alors, réellement au niveau de la boucle, c'est l'échange des fermions, des quarks, des W bosons. Ça, c'est au niveau de la boucle entre les deux photons. Mais entre les deux ions lourds, là, il y a un échange, une interaction des deux champs électromagnétiques, ce que je comprends, moi.
qui est la source. Oui. Merci beaucoup. Ma contribution. Pour la mettre en valeur. Oui. Hassan, il a participé à quoi exactement? Alors, bon, ce que j'ai présenté concernant le TRT, c'est mon tâche de qualification en tant qu'auteur de la collaboration. Donc, ça m'a coûté environ une année. Donc, c'est à moi. Donc, j'ai fait l'étude de A à Z. Concernant l'analyse light by light et la recherche des actions, donc, j'étais responsable de faire les études concernant la liste du Goodrain List. J'étais aussi responsable concernant les plots de validation qui utilisent les électrons. Et j'ai aussi fait les plots de la calibration des électrons. Ensuite, concernant le résultat, donc, j'ai participé à l'estimation du background, surtout le E plus E minus, et au calcul de la significance. Concernant les actions, j'ai produit les étapes qui étaient nécessaires pour faire les distributions et les comparaisons des data avec le Monte Carlo et le calcul de la limite qu'on a fait dans la bande 5 sans GER. On n'a pas du lien entre la chose. Voilà, on a analysé en 2015-2018. Ça a du lien entre la chose. Donc, si on t'affiche ce que j'ai fait exactement, donc voilà, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. D'accord. Ça montre un peu la chose et ça donne aussi de la crédibilité à l'autre. D'accord. Merci. Merci pour le savoir. Rien que. Le candidat participe et son nom dans les journaux comme c'est un prestige pour notre pays, pour notre département et aussi c'est un mérite pour votre encadre. C'est un journal rare, sont des gens du Maroc qui participent à ce journal, il faut que les gens le sachent. Et bien évidemment, donc, on voit clairement d'après les réponses, d'après les interactions. Il a mené avec déjà deux examinateurs, donc c'est une campagne qui est très bien et qui a fait donc, sa contribution est vraiment claire. Donc, je veux dire qu'à partir de son exposé, c'est là aussi, donc ça nous rend encore plus content pour cette notion. On va continuer avec la discussion et donc c'est peut-être qu'il faut qu'on donne la parole au professeur Laurent Olivier. Je suis. Je suis donc sur le net. Oui, il est là. Oui. Professeur Laurent Olivier, est-ce que tu as venu voir, tu sais, concernant des thèses, des discussions? Oui. Professeur Warren? Alors, oui, je vous entends. La parole. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, j'ai pas suivi parfaitement les discussions, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que je peux parler en français ou quand vous voulez. D'accord, mais je vais utiliser le français. C'est Descartes le premier qui a publié en 1637 en français pour quelque chose qui était vraiment scientifique. Donc c'est une bonne langue pour la science. Alors moi je veux te féliciter, Hassan, pour arriver. Jusqu'ici, c'est une histoire qui se termine et j'ai été heureux de participer à cette analyse et puis de te rencontrer à cette occasion.
Alors moi, ça fait bien longtemps que je fais cette physique et je dois dire qu'Hassan a vraiment évolué dans une équipe où il y avait des gens qui faisaient ça depuis très longtemps. Donc c'était un environnement très compétitif avec une équipe à Cracovie dirigée par un de mes anciens étudiants qui est vraiment un expert du domaine, une équipe au CERN où il y avait vraiment aussi des gens qui faisait cette physique depuis longtemps, et puis une équipe à Mayence, un peu moins impliquée, mais également avec des gens très, très réactifs sur les domaines. Et moi, j'ai donc connu Hassan via Samira Hassani. J'étais entre les deux équipes, entre celle de Saclay et celle de Cracovie. Et je confirme que Hassan a vraiment réussi à s'impliquer dans cet environnement qui était quand même très, très compétitif, où, même si c'était dans une bonne entente, mais il y avait quand même beaucoup de pression. Et tout ce que tu as mentionné avoir fait, tu l'as effectivement fait. Je pense que tu as même fait beaucoup plus, puisque tu étais capable de reproduire l'analyse de manière... assez rapide quand c'était nécessaire, quand on te le demandait, par exemple avec Samira, pour vérifier des choses que faisait le groupe de Cracovie. Donc, en plus de tout ce que tu as mentionné, je pense que d'un point de vue très concret, pour moi, pour Samira, tu as contribué à la solidité de l'analyse parce qu'on avait besoin de vérifier ce que faisait le groupe de Cracovie, parce que très souvent, on a pensé qu'ils allaient trop vite et qu'il y avait des erreurs dans l'analyse. Et donc, toi, tu as contribué à assurer la solidité de toute l'analyse avec toutes les complexités qu'il y a et que tu n'as pas mentionnées, par exemple, pour trouver les efficacités trigger, pour bien comprendre les problèmes liés à l'acceptance qu'on a un peu partout dans cette analyse et aussi les incertitudes systématiques qui ne sont pas évidentes à déterminer. Donc voilà, donc je tenais à préciser ça. Je pense que tu as fait plus que ce que tu as dit parce que tu as eu un rôle important, en tout cas de mon point de vue. J'avais dirigé la première analyse en 2015, donc je vois parfaitement qu'est-ce qui est important. Et parfois, quand les choses vont trop vite, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de tout refaire derrière pour vérifier. Et il y avait des erreurs. Donc tu as contribué à vraiment solidifier tout ça, et ça, c'était un point très important. Et pour les actions, je trouve aussi que tu as été très réactif, tu as produit les N-tuples, ce qui n'était pas forcément évident parce que c'était quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas fait en 2015. On avait commencé à le faire avec Samira indépendamment, mais tu t'es bien impliqué dans le sujet et je trouve que ton rôle a été important pour ça aussi. Donc voilà, donc moi je suis très content d'avoir pu te connaître à cette occasion, d'avoir pu voir en vrai ce que tu étais capable de faire et ce qui a été important, comme je l'ai dit. Et donc je suis content que tu arrives là aujourd'hui et que voilà, tu vas partir sur une nouvelle histoire après la fin d'une histoire comme celle-là. Alors, je ne vais pas t'embêter trop avec des questions. Ta présentation était claire, elle était linéaire, bien construite. Peut-être juste si tu veux, bon, juste pour parce que bon, ça se fait habituellement dans les soutenants. Je vais te poser deux questions. Tu me réponds. Comme tu le sens, d'accord, hein, c'est pas grave s'il y a des choses dont tu te souviens plus. Est-ce que tu te souviens comment on fait pour déterminer l'efficacité trigger de l'analyse avec, bon, par exemple, l'efficacité qui est liée à la coupure MBTS, à la coupure sur les pixels. Est-ce que tu te souviens? Si je me rappelle bien, c'est le rapport entre le nombre d'événements qui passent le trigger et le nombre d'événements qui avant d'appliquer le trigger. Oui, on peut faire ça, mais est-ce que, par exemple, tu pourrais me dire quel a été le trigger de contrôle qu'on utilise pour, est-ce que
C'est pas forcément ça, c'est pas un domaine où tu as contribué. C'est pour ça que je te pose la question. C'est vraiment en plus. Donc, ce que tu as répondu, c'est juste. Mais est-ce que tu te souviens le trigger de contrôle qui est utilisé pour, par exemple, c'est les triggers habituels qu'on utilise dans les analyses photon-photon de NDIMU1 qui servent de trigger de contrôle parce que c'est les triggers qui sont utilisés dans les analyses ion lourd habituelles et donc comme ça on peut vérifier que tout se passe bien. Bon, mais ce que tu as répondu c'était correct, c'est bien. Et juste pour revenir, comme tu as bien présenté tout ce qu'il y a sur les actions. Donc, les actions, comme tu l'as dit, c'est une particule de spin zéro. Quel autre type de particule on pourrait trouver avec le même type d'analyse? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme contrainte sur une physique qui pourrait être intéressante, qui ne serait pas une particule de spin zéro, mais une particule avec un autre spin? Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait utiliser cette analyse pour dire quelque chose d'intéressant sur juste une autre particule que tu avais mentionnée d'ailleurs au tout début de ta présentation? Oui, bon, j'ai vu que dans la littérature théorique, on peut l'utiliser dans les monopôles magnétiques. Oui, par exemple, c'est une bonne réponse. D'accord. Je pensais au graviton, qui est une particule de spin 2, qui va donc intervenir exactement comme l'action, qui est une particule de spin 0. À part que pour le graviton, c'est plus compliqué parce qu'il y a une succession de gravitons de différentes masses, mais on pourrait utiliser exactement la même analyse pour contraindre le couplage graviton-photon-photon. Photon, oui. Mais les monopoles, c'est une bonne réponse. Et ben, voilà pour moi. je suis content que tu arrives là, Hassan. Merci. J'étais content de travailler avec toi. Merci beaucoup. Merci, professeur. Interaction, on passe directement au professeur Alger, qui le rejoint. Merci, M. le Président. Alors, je voudrais d'abord remercier de sa présentation. C'est très belle, très bien structurée, dans les temps. Souvent, en regardant la thèse, le gros travail fait, on peut dire qu'il aura le temps de tout présenter. En fait, c'est arrivé à présenter les temps. Et ça, c'est important. Et bien ressortir un travail de planification, bien ressortir l'analyse, qui est inévitable. Une analyse nouvelle, hein, ça c'est la fois bien précisée. Alors, c'est la première fois que ça se faisait. Non, c'est fait en 2015. Et on a refaire la même chose avec les nouvelles données de 2018 et la combinaison des deux données. Oui, non, c'est purement de la simulation, c'est de la phénoménologie, donc c'est de la simulation. Ouais. Superchic, c'est le générateur qu'ils ont utilisé pour faire la mesure. Si je reviens à la qualification. Si je reviens à la qualification, donc pour le directeur du directeur qui travaille pour remplacer donc le nom par de la route, parce que moi j'ai des problèmes qui arrivent dans une première. Des problèmes techniques avec les éléments qui servent. Alors, tu parles, tu donnes une technique qui est le changement de paramètres. Changement de paramètres. Bon, voilà. Alors, là, c'est pour gagner le temps en CPU. D'accord ? Mais si tu fais la simulation complète, bon, elle est pas mal. Et la simulation que tu donnes avec le soin de quelques paramètres, il n'y a pas de temps entre les deux. Point de vue, nous, on a carrément pas fait la simulation complète. Donc, il y avait déjà les samples prêts pour la simulation. Mais pour la digitalisation, ça vraiment prend pas de temps parce que
ça peut durer même pas une journée dans la grille. Et là, tu as ton nouveau sample qui a ce qu'on appelle l'argon humilé. Mais pour la simulation, je n'ai pas fait ça. Donc, j'avais déjà les samples qu'on dit de validation. C'est assez simple que j'ai comparé mais les samples que j'ai produits en utilisant la méthode d'humilation. Mais la production des samples humilés, c'est vraiment trop rapide. Donc, c'est comme si tu es en train de faire une analyse, non pas que tu es en train de produire des Monte Carlo. Ah, ça c'est bien. Donc, on gagne énormément. Ça serait bien de donner une idée quand même du temps, hein, parce qu'on sait qu'une simulation complète, ça prend énormément de temps. Ça serait bien quand même, tu dis qu'on gagne en CPU, on gagne en temps, mais tu ne donnes aucun détail à peu près de temps. Et ça, c'est important, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, ben, je sais que c'est une grande différence, ça serait bien de ressortir ça. Et ça, en fait, ça ressort ton travail aussi. La qualité de ton... et en plus, tu dis que ce qui a été, ces paramètres ont été mis dans Athena et qui seront utilisés probablement dans le futur, à part s'il y a autre chose. Donc, et ça, c'est quand même important, parce qu'ils sont déjà intégrés dans Athena. Oui, ils sont déjà intégrés. Voilà. Et ça, c'est important. Je pense qu'il faut le ressortir parce que c'est on fait beaucoup de travail de qualification et parfois c'est pas utilisé. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a été retenu par la collaboration et qui peut probablement être utilisé. Alors, j'ai une autre question. Oui. Bon, comme j'avais fait le rapport de ta thèse. Bon, dans la thèse, j'en avais parlé à mon cadran, que je félicite. J'ai toujours aimé sa façon de travailler, il le sait. On s'est toujours bien entendu. J'apprécie beaucoup aussi. Yahya dirige bien ses étudiants. Et ça, c'est important. Il ne va pas les laisser aller à un endroit où c'est au revoir. On sait très bien que dans Atlas, il y a des sujets parfois qui sont très compliqués pour qu'il aboutisse à rien. Et c'est l'étudiant qui va enlever. Alors, là, tu présentes les événements. Et tu as compris qu'à travers 10 événements, tu dis qu'il y a aucun récidoir. Donc, c'est assez important. Ça peut permettre de donner la limite où il est possible de trouver ce phénomène par la suite. Alors, par la suite, ce qui va changer, c'est une beaucoup plus grande unité en futur. Et d'après toi, est-ce que tu penses que ça va donner... On a un espoir, parce que tu viens juste de dire tout à l'heure avec mon collègue que théoriquement, on fait des simulations avec des énergies très faibles. Et là, on se dit, c'est possible de les trouver à une masse plus grande. Et ça, c'est ça qui me... Alors, théoriquement, on n'a pas donc les actions lorsqu'ils ont pris des par PNC1Queen pour résoudre ce problème de QCD. Donc, ils l'ont pris avec une masse vraiment très, très basse, quelques micro-EV. Mais, du point de vue théorique, on n'a pas de limite sur la masse des actions. Personne ne connaît la limite sur la masse des actions. Donc, chaque modèle... peut voir dans une région et chaque expérience pour couvrir une région. Mais la plupart des théoristes disent que c'est déjà le cas. Si tu vois les expériences qui sont dédiées aux actions, ils sont en train de regarder les basses masses, comme les Light Shine Ultra of the Wall, ou bien les expériences que j'ai citées, ils sont en général en train de regarder dans les masses basses. Alors, côté collisionneur, nous, on peut voir, si on a les données, on peut voir les hautes masses et pourquoi pas, peut-être qu'on va voir l'action là-bas. Mais le plus grand effort, donc si tu trouves une expérience dédiée aux actions, elle va certainement, elle est en train de chercher dans les masses de quelques microélectrons. Moi, je pense que c'est très intéressant parce que ça va pousser la collaboration à regarder, d'abord à donner plus de temps au faisceau au plan blanc, c'est très bien qu'il y a un recours de temps au faisceau au plan blanc, à donner plus de temps au faisceau, et peut-être, si c'est découvert, c'est quand même
ça va bouleverser beaucoup de choses. Et même si ce n'est pas les actions, tout comme a dit Laurent, il peut y avoir naissance à d'autres particules. Mais la clé, c'est d'avoir plus de données pour pouvoir exploiter de plus en plus les limites pour les différentes particules qui couplent au photon en général. Et surtout si on découvre quelque chose et qu'on arrive à expliquer la matière noire, ce qui n'est pas évident, on sait très bien que toutes les questions sont en cours, que ce soit au niveau microscopique ou cosmologique, les recherches sont en cours. Je réponds à d'autres questions, hein, c'est très clair, je regarde ta tête. Alors, dans la tête, dans le manuscrit, ça, je sais que c'est là la tête, hein, je ne sais pas si tu arrives. Parfois, on a un paragraphe et la figure est bien en haut, mais elle n'est pas du tout au endroit où on est en train de la chercher. Je ne sais pas si tu pourras. Oui, je peux les faire manuellement. En général, c'est le latex qui fait ça pour que la mise en page soit pleine. Mais on peut le faire manuellement pour que chaque figure soit en bas ou bien au centre, ou bien à côté ou en lacis. Essaye, parce que bon, au départ, je trouvais la première figure, je me disais, c'est pas grave. Et après, c'était beaucoup de fois, je cherchais en bois, les tableaux, tout était. Il fallait vraiment chercher, c'est pas évident. Donc, ça, si tu pouvais le faire, ça serait bien, parce que ton manuscrit est très bien. Il y a quelques petites erreurs, je te donnerai après, personnellement. Ah, oui. Sinon. Bravo et je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Madame Roger. Donc, on passe au professeur Rachid Al-Amira. Merci, monsieur le président. Toutes les sciences de Roland. Avant de féliciter M. Hassan, je tiens à remercier M. Riyad pour l'invitation. Et aussi. Merci. La qualité de la présentation qui a été claire, qui présente les travaux avec aisance, ce qui montre que c'est aussi pour la qualité du manuscrit qui vient de vous dire et l'objet des portes de parler, parce que j'ai toujours. Des remarques, des formes, parfois, par exemple, dans la section 3.5, il y a une sous-section sans avoir une sous-section. La plupart des figures ont le détail petit et illisible. À titre d'exemple, la page 87 et 88. Donc, juste revoir la taille des figures. J'ai remarqué aussi que les conclusions des chapitres sont en cours. Je ne sais pas si tu peux les développer davantage. J'ai vu dans la partie où on a un peu de la longueur et je pense à l'énergie impulsion, en 6. J'ai vu qu'il y a des paramètres, par exemple, les zéros, les zéros. Est-ce que tu considères que dans le vecteur, on considère que on a le vide? Oui, en général, c'est ça. On a le plus parfait vide dans le monde, dans notre collision. C'est ça ce qu'on considère. Les poussées. Je ne sais pas, le plus poussé. Le plus poussé, c'est. Je rejoins aussi la question de Lucien Lefort. Pourquoi on ne peut pas utiliser la collision photon-photon? Alors, on peut l'utiliser. On a déjà les événements qu'on appelle les événements intacts protons, là où il y a le proton qui passe à côté de l'autre sans interagir côté hadronique. Mais côté section efficace, ça augmente avec le Z. Donc, le proton Z, c'est égal à 1. Comparé au plan, on a déjà vu le plot où il y a la comparaison section efficace et entre le plan-plan, le proton-proton. On voit bien que le plan-plan, c'est plus simple de faire en plan-plan. Merci.
parce qu'on bénéficie de ces Z qui est égal à 82. Donc, on a un champ électromagnétique plus important que dans le cas des protons-protons. C'est quoi la distance minimale entre les ions? On utilise ce qu'on appelle le facteur d'impact. On demande que le facteur d'impact est plus grand que 2 fois le rayon du nucléaire du plan. C'est ça qui caractérise ces événements qu'on appelle ultrapyramidaux. Donc, on est vraiment sûr que les deux plombes restent, donc, ils quittent le détecteur, soit excités, soit comme si rien ne s'est passé. Donc, ils interagissent juste du point de vue champ électromagnétique. Est-ce qu'on voit que pour les petites masses, il y a un désaccord entre l'expérience et les données de Monte Carlo? Bon, ça, ce n'est pas la mesure qu'on a fait, ça, c'est la première mesure de l'évidence. C'est publié en Nature. Mais du point de vue statistique, là, on est vraiment limité. On n'a que 13 événements. Donc, donc, ils ont fait le calcul de la significance. C'était 4.4. Donc, c'est ça qu'on arrive à trouver. Mais c'est vrai que l'accord data Monte Carlo, ce n'est pas vraiment parfait. Mais côté statistique, on est limité. On est très limité là. Il y a même un bin qui n'est pas couvré. Donc, il n'y a pas de bin qui correspond. Le bin au milieu, là, vous voyez, il n'y a pas d'événement de data, mais c'est ce que la mesure a donné. Et ça, c'était vraiment l'évidence du process. Donc. Vous parlez du monopole. Est-ce qu'on peut parler d'abord, un monopole, c'est une particule qui a une charge magnétique. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler des particules, des monopoles à l'intérieur? Est-ce qu'on peut parler des particules, du monopole? Du monopole à 4 dimensions. 4 dimensions, vous voulez dire le temps et l'espace. Oui, ça reste une particule. Ça, la charge. En tout cas, on est obligé de modifier les équations de Maxwell. Nous, on a des divergences de Non, on n'utilise pas les équations de Maxwell dans notre mesure. C'est le quantum électrodynamique. Déjà, les équations Maxwell, comme le professeur a expliqué, ça ne donne pas naissance à ce genre de phénomène. Et dans la page 44, vous parlez, j'arrive pas à imaginer une étude avec un médiateur qui est de type monopole. Est-ce que c'est possible? Alors, dans la littérature, j'ai vu un article qui s'est publié dans ce sens. Donc, on peut faire cette étude en utilisant le couplage monopole-photon. Juste après la page 45, vous dites que light-by-light scattering est difficile à observer. Okay. Et pourquoi vous voulez l'utiliser aussi dans des modèles au-delà des modèles standards? Parce qu'on arrive à le voir maintenant. Si on arrive à le voir une fois, on peut le faire et on peut chercher au-delà. Donc, si on arrive à le voir, c'est vraiment ça le programme d'Atlas. Une fois on a trouvé le Higgs, on est en train de chercher à des particules qui coupent le Higgs et qui sont des candidats de la matière noire. Donc là, j'ai le process. Je vais l'utiliser pour chercher à d'autres particules qui coupent le photon. Merci, M. Hassan. Merci. Merci. Merci, Serge. Je prends la question. Donc, on va finir avec la proposition. Merci, M. le Président. Moi, je vais surtout faire des éloges pour ces Hassan. La remarque de Sensori est à sa place, mais ça reflète un peu la modestie de ces Hassan. C'est pas quelqu'un qui dit moi j'ai fait. Et, bon, donc c'est plutôt une qualité.
Alors, il a mentionné donc professeur Laurent Chauffel, que je remercie infiniment, a un peu accentué la contribution de Hassan. Il y a des choses aussi qui sont cachées. Hein. Il faut dire que Hassan il a consacré aussi du temps pour un autre projet qui est le projet Kaïtrinet. Je vous donne un petit exemple. Le Maroc va construire les dômes. Donc Hassan était derrière tout ce qui est soft et setup et test. Donc c'est un temps énorme qui lui a été pris pour la mise en place du software. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans sa thèse, parce qu'on a essayé de conserver un peu la compatibilité de la thématique. Donc je le félicite énormément, comme l'a signalé notre cher président, rien que le fait que le Maroc s'implique dans une ou deux analyses qui ont donné des publications si bien dans PhysicRev et JHEP, donc le papier a été accepté récemment aussi sur les axions, donc c'est vraiment de la fierté, je le félicite énormément, et malgré la modestie des moyens qu'on a à l'échelle de l'université, voire des fois non existants, parce que travailler dans un environnement, il a signalé, professeur Chauffel, un environnement très compétitif, hein, comme le cas d'Atlas, ça nécessite des moyens. Je tiens à remercier pour ce que j'ai, parce que j'ai évoqué ça, le Kungl. Tekniska Högskolan de Stockholm qui a financé des parties des voyages de Hassan au CERN. On a un support, il ne faut pas le nier, de notre ministère, un support au niveau de la collaboration. Donc ça aussi, c'est grâce à tous ces efforts et toutes ces petites contributions qu'on arrive à. Alors, mes félicitations, c'est Hassan. Merci. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Alors, je tiens également à remercier des gens qu'on ne voit pas et qui étaient très impliqués dans ce travail, notamment dans la partie technique, il y avait tout le groupe du TRT, donc je ne peux pas citer tout le monde. Donc, il y avait un task technique, donc je remercie les gens qui ont aidé à aboutir. Alors, mes remerciements vont bien sûr à Madame Samira qui nous a malheureusement quittés pour aller à la physique des neutrinos, mais qui a vraiment initié aussi cette collaboration avec Saclay. Alors, je remercie vivement Laurent Chauffel qui a vraiment appuyé Hassan pour aboutir. Donc, j'espère que cette collaboration avec Saclay va continuer. Et qu'on aura au niveau du labo, donc il faut qu'on pérennise ce bridge de collaboration avec Saclay. Donc merci infiniment Chauffel, et je m'excuse, on vous a déplacé pour assister à cette thèse en plein week-end, donc la coutume veut qu'au Maroc on fait ça les samedis pour permettre aux gens qui nous viennent de l'extérieur de faire leur voyage. Alors je félicite énormément mes collègues. Donc, c'est Mustapha Mansour, qui est le théoricien vraiment de l'équipe. Alors, j'ai appris avec lui aujourd'hui un peu le côté caché de théorique de cet effet. Donc, je le remercie d'avoir aussi émis un rapport positif. Donc, vraiment, c'est Mustapha, en interagissant avec Mustapha, peut-être on va découvrir d'autres pistes à creuser. Alors, mes remerciements vont bien sûr à mon collègue qui vient de loin, c'est Moussa qui a osé se déplacer. Vous voyez, ce n'est pas évident maintenant, en plein Covid, faire déplacer quelqu'un. Et donc, il est toujours là à nous appuyer. Hein, et donc, c'est un collaborateur qui s'impose. Il est avec nous au Kaïtrinet maintenant. Il est sur Atlas. Merci infiniment, professeur Moussa. Et donc, il faut le signaler, si Moussa ne l'a pas fait, c'est vrai que si Hassan, c'est un produit de l'AFSR de Rabat, mais qui a été formé par si Moussa à la FSO de Oujda. Donc, c'est un master de qualité. Et donc, merci parce qu'on reçoit des gens de qualité qui nous viennent. Alors,
elle m'excusera, je n'ai pas commencé par les dames, je laisse le meilleur vers Madame Raja, notre académicienne. Vous le savoir, c'est Hassan. C'est grâce à cette dame, à le travaux de fait par Raja, aussi par Sihoumada, quelques-uns, qu'on est sur cette collaboration historiquement. Donc, elle répond toujours présent lorsqu'il s'agit d'excellence scientifique. Donc, merci infiniment, Madame Raja. Alors, désolé, je passe un par un. Donc, je ne saurais remercier Sérachid, donc, qui forme aussi. Donc, c'est l'autre côté caché théorique. Hein. Donc, je t'invite fortement à interagir avec le groupe de Sérachid. Donc, c'est vrai, vous avez évoqué le monopole. C'est un autre sujet qu'on entame dans l'autre projet KM Greenet. Là, c'est Hassan n'a touché que superficiellement pour dire que c'est faisable. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques. Et donc, espérons avec Rintri, on aura plus de stats. Mais une chose est claire, cette analyse, on ne le voit pas, peut-être si Hassan ne l'a pas montré. Pendant des années, les gens recherchent la diffusion photon-photon et personne n'a réussi vu que la section efficace est très faible. Vu le couplage en alpha Ford, so no way for proton-proton collision. Et voilà, donc là, c'était vraiment l'occasion d'explorer la possibilité de collision d'ions lourds pour observer un tel phénomène. Et donc, c'est un succès pour le LHC et qui montre que le LHC collision des protons, mais it works also perfectly as a gamma collider. Hein. Donc, c'est vraiment fantastique. Alors, je tiens également à remercier notre cher président, c'est Yassine Hassouli, qui fait beaucoup de belles choses pour le groupe. Hein. Il forme et qui table vraiment sur l'excellence. Hein. C'est ça ce que j'aime chez notre cher président, c'est Yassine Hassouli. Alors, il cherche tout le temps à avoir des fonds. Grâce à Yassine Hassouli, on est reconnu. On n'est pas reconnu comme labo à l'université. Donc, on est une équipe qui regroupe, je dirais, les ténors en la matière au niveau du Maroc. Mais on est un groupe à l'échelle de l'université. Et grâce aux travaux de Yassine, qu'on est reconnu comme centre affilié à l'échelle internationale, avec des fonds qui nous viennent de l'International Center of Theoretical Physics. Donc, vous voyez, c'est pas très évident. C'est grâce à notre cher président qu'on a ça. Donc, je tiens à le remercier, Yassine. Je ne trouverai jamais le mot pour décrire le très beau travail qu'il fait et qu'il déploie pour que les jeunes, pour qu'on prépare la relève. Alors, je m'excuse si je n'étais pas très, très... Je ne maîtrise pas la langue de Molière pour trouver les bons mots pour faire les éloges tout le temps. Donc, merci encore une fois, c'est Hassan. Je te souhaite le meilleur du monde et je rends la parole à notre cher président. Merci, professeur. Merci pour le compliment. C'est vraiment fantastique. Il y a des étudiants en vrai, donc je ne vais pas lui rendre le professeur. Mais c'est vraiment fantastique pour cette cohérence, cette compatibilité qui existe entre nous. On a certainement hérité des gens qui nous ont précédés. Et donc, on espère que ça continue comme ça. Donc, on va passer à la délibération tout de suite. D'accord. Peut-être on va. Donc vous mettez en mute.